Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien réveillés. Vous débutez bien la journée. Il est midi 22 ici, mais bon, c'était comme s'il faisait jour ici, hein. Bon, je me connais pour deux choses. Voilà, la première des choses, c'est que, en fait, vous savez. D'abord, je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aya Robert, du chinoise de la Yorogane, chinoise de DJ Arafat. Et franchement, j'ai envie de partager ce rêve-là avec vous. Voilà, j'ai fait un rêve et j'ai envie de partager le rêve avec vous, en fait. Et si vous avez des conseils, si il y a des gens parmi vous qui savez lire les rêves, parce qu'il y a des gens qui connaissent les rêves, hein, donc. S'il y a des gens parmi vous qui savent lire les rêves, essayez de me contacter pour essayer de me dire aussi. Parce que moi, je n'ai pas de pasteur, je n'ai pas de messe spirituelle. Je me suis réveillée ce matin, quand j'ai fini mon rêve, je me suis réveillée, je suis allée directement à l'église. Je suis arrivée à l'église catholique, même je suis allée trouver qu'ils étaient en train de faire la messe, de lever des corps d'une dame qui est décédée. Donc, moi, ça m'a tout. J'arrive dans l'église, là, ils sont en train de faire lever des corps. Moi, j'étais dépassée. J'ai dit, c'est que le rêve est lourd. C'est lourd. D'accord. Donc, les amis, vous savez, depuis que DJ Arafat est décédé, là, j'ai rêvé de lui deux fois. Et la deuxième fois, c'est aujourd'hui. J'ai fait un rêve la première fois sur lui. On ne l'avait pas encore enterré même. Je l'avais même expliqué à une petite soeur à moi. Celle dans mon direct, elle va vous le dire, Jessica. Qui est ma fille, bon, je l'appelle ma fille. J'avais rêvé, j'étais même chez elle, j'étais à Véroflay. Et j'ai fait ce rêve. J'ai fait ce rêve le 28 août. Le 28 août 2019. Le premier rêve. Le 28 août 2019, parce que c'est le 30, c'était à la veille. C'était à la veille de, comment on appelle ça, de son enterrement. Et quand j'en avais, c'était comme si lui, il a voyagé. Il était à Jérusalem. Il était à Jérusalem. On s'est retrouvé là-bas. C'était comme s'il était devant une église. Là, il vendait des bougies, des papiers, des trucs comme ça devant l'église. Moi, je l'ai vu dire, mais tu fais quoi ici? Bon, je n'ai pas revenu sur le rêve. Le rêve est long. Mais après, on s'est retrouvés à l'aéroport ensemble. Et il avait un téléphone cassé dans la main. Et puis un autre iPhone dans le carton. Moi, je lui ai demandé. Le téléphone cassé qui est dans ta main, il dit c'est le téléphone de Maëlle qui est cassé. Et que. Il y a quelqu'un qui avait acheté un nouveau téléphone, donc il vient donner ça à Maëlle. Et franchement, ça n'a pas duré. Hein. Maëlle a reçu un iPhone. Je vous jure devant Dieu. Mais moi, les histoires de rêve, là, c'est pas quelque chose. Excusez-moi. Hein. Les histoires de rêve, là, c'est pas des choses que je prends au sérieux. Franchement, je ne prends pas ça au sérieux, en fait. Donc, je pense que à la même époque, je pense que c'est Badrum qui a offert un iPhone. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai vu l'iPhone de Maëlle, là, la scène, vous voyez que vous rêvez d'un truc et puis ça se répète, la scène se répète, là. J'ai vu cette scène-là, j'ai dit à ma petite soeur Jessica, elle dit, peut-être que, bon, je n'ai pas considéré, en fait. Ça, c'était la première fois. Mais bon, on a fait beaucoup de choses à Israël ensemble. Donc, je vais vous épargner tout ça parce que c'est un rêve passé il y a. Ça a fait 2 ans maintenant ce rêve-là. Maintenant, aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Voilà. J'ai fait un rêve où je marchais et j'ai croisé. Ah, enfin, il avait un sac au dos. Il était pressé. C'était comme si on était à une frontière. Lui, il était pressé pour traverser la frontière, en fait. Il était tellement pressé. Donc, quand je l'ai vu, il dit, mais tu vas où? Il dit que non, il doit traverser la frontière pour aller prendre, son car, que le car va partir. Donc, il avait son sac au dos, il dit qu'il a ses prestations et tout ça. Donc, on s'est dépassé, on s'est salué, tout ça, on s'est dépassé. Moi, je suis arrivée à la maison.
Je suis arrivée à la maison, c'est comme si j'étais chez moi, dans mon ancien quartier où j'habitais avant, à Bourdoumé, là. Et je me suis retrouvée dans la douche. Et puis c'était comme s'il y a un chat qui rentrait derrière moi. Maintenant, le chat est rentré derrière moi. Je t'entends de me laver dans une douche que je connais très bien, hein, quand, une douche que j'ai déjà où j'habitais avant à Bourdoumé. C'est pas si vous connaissez. C'est dans cette douche là que j'étais. Puis je t'entends de me laver. Et puis le chat est rentré. Le chat a commencé à lutter avec moi la porte. Je ne peux pas ouvrir la porte. C'est-à-dire que le chat m'a griffé, mais m'a griffé. Je luttais le chat luttait moi. Et puis un coup, je vois quelqu'un qui ouvre la porte. La personne qui ouvre la porte, ça arrête. Il a dit, mais dès qu'il a ouvert la porte, moi, mais il a vu. Il a dit, mais tu n'as plus voyagé. Il dit, non. Que les gens sont méchants, tout ça. Il dit, mais le chat, où le chat a fui en même temps. Donc, tout mon corps était rouge, rouge. Donc, il a commencé à rire. Il dit que, il m'a dit, mais toi, là, tu as fini ça, hein. C'est un chat qui te bat, quoi. Que cela, c'est les sorciers. Il a dit, aïe, mais il rentre derrière moi, moi, il sentait me laver, il rentre derrière moi. Que tu as payé, il cherchait à ouvrir la porte et tout ça. Mais j'étais rouge de partout, en fait. C'est-à-dire que le chat m'avait griffé. Hein. Et les amis, je me réveille. Regardez mon doigt, là. Regardez, hein. Je me suis réveillée, je suis allée me lever. Je suis levée un coup. Mon téléphone a sonné. Je suis allée dans la douche. J'ai fait pipi. Comme je dois aller faire mes courses, je vais me laver. Je vois ça. Regardez, je n'ai pas bagarré avec quelqu'un. Hein. Hier, j'ai fait un direct devant vous. Est-ce qu'il y avait ça sur ma main? Est-ce qu'il y avait ça sur ma main? C'était comme si on m'avait griffé, quoi. Attends, je vais pousser un peu, vous allez voir. C'était comme si on m'a, ça a coagulé, ça fait du sang coagulé. Jusque là, en fait. Ça fait du sang coagulé. Jusque là. Je commençais à prier. Je suis quittée à l'église même. Je suis partie à l'église tout à l'heure. Là. Quand je me suis réveillée net. Dès que j'ai vu ça, je me suis brossée. J'ai mis mon habit pas à l'église. C'est quand je suis partie à l'église. De toute façon, je suis partie à l'église. Non. Je suis arrivée à l'église aussi avec levé de corps là-bas. Mais j'ai prié. Bon. C'est rien en fait. Voilà. C'est rien. Je vous explique juste pour que vous puissiez m'expliquer. Mais c'est rien. Dieu a déjà géré. Oui, Dieu a déjà géré. C'est rien. Voilà. Je t'ai loudre. Mais il y a fois, je suis sortie de l'église. Il y a fois, toi. J'ai regardé mon direct hier. Je me suis dit que, mais attends. En aucun cas. Ça fait 6 fois. Faut même pas y avoir dit 10 fois hier, mon direct hier. Parce qu'après, le direct, ça allait dormir. On s'est laissé à 3 heures. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc, essayez de regarder aussi le direct là pour voir s'il y a un problème au niveau de mon bras. Parce que mon bras, il est là. Ce n'est pas le bras où il y a tatouage, c'est l'autre bras là. Je ne sais pas. Je dors sur un bon lit. Ce n'est pas un lit en bois. Pour dire qu'il y a bois qui m'a blessé. Ce n'est pas un lit en bois pour dire que c'est bois qui m'a blessé. Chat est venu me trouver dans la douche. Me griffer. Ça avant qu'il venait m'ouvrir la porte. Attends, je l'avais laissé, il m'a dit qu'il partait faire spectacle. Il avait sac au dos pour rester. Il m'a dit, mais toi, tu vas où? Il dit qu'il va rater son événement. C'est quand on s'est dépassé à une frontière, à Jean à la frontière. Un coup, je le vois, il vient, il ouvre la porte. Pendant qu'il tentait de débattre le chat. Et puis, ça nous faisait rire. Et puis, il disait que les gens sont méchants, les gens vont. Voilà, il parlait, mais bon, en aucun cas, on a parlé de moi, lui et moi. Il n'est pas dit, ah, tu n'es. Parce que le premier rêve que moi j'avais fait il y a longtemps, là, il lui a demandé, mais toi, les gens sont en train de pleurer, toi, tu es ici.
En Israël, il y avait parlé de ça là. Mais bon, les gens ont dit que. Je ne savais pas si j'avais expliqué à quelqu'un. Mais je pense que je sais qu'elle m'avait dit que c'était rien, c'est parce qu'on devait l'enterrer que je l'ai vu, un truc comme ça. Oui, je pense bien. Mais à feuille. Je vous remonte encore, hein. Et puis allez regarder mon direct d'hier là. Je vous remonte encore. Ceux qui me suivent, sinon vous allez voir que je suis partie à l'église. Je suis allée à l'église. Vous vous rappelez, non? J'avais fait des directs au départ où je parlais des gens qui ont fait un peu de mal à Arafat et tout ça. J'avais fait un point direct où j'ai dit qu'il était fâché quand il dit qu'il y a bagaté avant même qu'il y ait son problème là. Je pense qu'il avait dit ça sur Snap, ça n'a pas duré, il a eu problème. Son problème, on ne sait pas où c'est quitté, il n'y a ni tête ni queue. Son affaire où il s'est retrouvé en prison, il n'y a ni tête ni queue. Après encore, il avait parlé d'un un truc de... un bac. Voilà, il avait parlé de ça. Il avait dit que c'est lui le papa d'Arafat et tout et tout. Après, j'avais fait un direct où j'ai dit que il y a un vieux père de Didier qui a fait un truc et tout et tout. Je ne rentre pas dans les détails. La dernière fois, j'ai fait un direct, j'ai parlé d'un artiste. Je vous ai dit qu'il y a un artiste qui allait faire concert à Abidjan et que l'artiste là a eu quelque chose avec ce que vous savez là. Je n'ai pas envie de dire le nom. Vous savez de quoi il parle. Aujourd'hui, l'artiste est dans bafou même des. C'est-à-dire qu'il est dans tourba même. Il est dans nuit même actuellement. Là. Son nom est dans la bouche de tout le monde. Un artiste d'un autre pays. Son nom est dans la bouche de tout le monde. C'est-à-dire que son affaire, là, quand on calcule, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Arafat, là. Arafat que vous voyez là, qui est décédé là. Regardez bien. Vous avez vu pour mettre James, là. Il n'est pas venu. Il y a comme les Ivoiriens l'ont vomi après. Allons seulement. C'est que sur. C'était pour vous expliquer mon rêve. Si vous avez la signification de ce rêve-là, faites-moi aussi. Mais dites-vous que tout ce que moi j'ouvre ma bouche, vous ne pas parce que j'ai envie de parler pour avoir vu. Ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a une chose, c'est qu'il aime. Voilà, il me protège. Oui, il me protège. Oui, fais attention à toi. Il y a Dieu, il y a foi. Il y a ceux qui t'ont à l'église et prié. Je me suis confié à Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien même. Bizarrement, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien même. C'est que... ça ne me fait pas peur, quoi. C'est que ça ne m'inquiète pas. Voilà. Ça ne m'inquiète pas. Voilà. J'ai mis mon pied dans la maison de Dieu. Ça ne m'inquiète plus. Et j'ai dit que mon cœur battait. Mais depuis ce qu'il était à l'église, là, il a fini de prier. Il a allumé mes bougies. Il a parlé à la Vierge Marie, il a parlé à Jésus, il a parlé à Dieu lui-même en personne. Il s'est sorti de l'église là. Il a failli. Mais quand même, vous pouvez m'expliquer le rêve. On ne sait jamais. Voilà. Deuxième, c'est pour parler de la femme là, Marie-Josée. Voilà. Qui est aujourd'hui. On dit qu'elle a trompé son mari, elle est mariée, elle va sortir un homme marié. C'est pas normal, hein? C'est vraiment pas normal pour une femme mariée qui va tromper son mari. Qui va tromper son mari avec un autre homme marié. Parce que on cherche tous le mariage. Les femmes qui viennent qui disent qu'elles ne cherchent pas le mariage, elles mentent. On cherche tous à se mettre dans la robe blanche. Donc quand Dieu te donne la grâce de te marier et que tu tombes ton mari étant dans la robe blanche, c'est pas bon. C'est la poisse, c'est pas bon. Mais je la soutiens. Je soutiens cette femme-là. Je la soutiens. Oui. Parce que les hommes eux-mêmes, là, ils ne sont pas bons. Les hommes, là, c'est les plus gros infidèles. C'est écrit dans la Bible qu'un homme ne doit pas tromper sa femme. Une femme ne doit pas tromper son homme. Mais l'homme trompe la femme. Putain que hier, on a réglé une histoire d'infidélité jusqu'à 3 heures du matin.
Jusqu'à 3h du matin, nous étions en train de régler une histoire d'infidélité. Jusqu'à 3h du matin, plus tard que hier, on réglait une histoire d'infidélité d'une femme qui a un cœur brisé. Les hommes sont mauvais. Les hommes, là, ils sont mauvais. Wallahi. Le général Makosoya, vu que tu as pris le dossier, tu dis que tu t'occupes de dossier. J'espère que tu ne vas pas descendre cette femme-là. Parce que franchement, par contre, tu es un grand frère. Mais il sait qu'on... C'est vrai que toi et moi, on n'a jamais fait clash. Hein, ce qu'on avait fait là, c'était pas toi. C'est pas que c'était ta soeur qui est ma grande soeur, mais c'était pas toi. Hein. C'est maintenant si tu as parlé dans la... Tu as parlé si la femme, tu as comment la... Il a fait clash chez toi. Mais si tu ne me réponds pas, il a parlé sur l'un. Mais il a fait clash chez toi. Voilà. Parce que toi-même, il y a un pasteur qui s'est retrouvé dans une maison de son fidèle. Tu as pris vidéo, ça l'a allé déposer sur ton mur. Tu n'as même pas géré le dossier. Tu as dit que, oh, pauvre pasteur, il a été piégé. Il cherche quoi chez l'une de ses fidèles? Voilà l'affaire de Fali qui est infidèle. Bon, qui ne s'occupe pas de ses enfants. Pas infidèle, mais il est infidèle et puis s'occupe pas de ses enfants. Tu es venu t'asseoir hier, tu as parlé, tu as défendu Fali. Pourtant, tu sais qu'il n'est pas dans la vérité. Quand il s'agit des hommes, là, tu places ta caméra, tu les défends. Moi, je suis chinoise, Sidiki, c'est le stupide. Mais Yaïb ou Sidiki, ici, tu l'as défendu. Voilà. Donc, toi, c'est, on suppose que quand il y a un problème avec les hommes, tu défends les hommes. Donc, si tu as parlé, si cette femme-là, si tu as parlé, si elle m'a causé, toi et moi, on commence, c'est qu'on divisait Facebook en deux. Voilà. Faut t'en prendre au gars qui est marié, là. Il faut t'en prendre à lui. Parce que dans cette histoire, il y a deux. Il y a deux qui sont mariés. Il y a elle qui est mariée, il y a lui qui est marié. Donc, on ne peut pas jeter la pierre à elle seule. Lui, il ne sait pas qu'il est marié. Puis, il vient sortir femme mariée, là. Aussi, là, il est responsable. Il va prendre ses responsabilités. Tu es venu faire tes vœux, tu n'as fait plus. Tu es en train de rabaisser la fille. Il a vu tes poissons, hein. Makoso, il faut aller t'en prendre au gars, là. Parce qu'il y a deux... C'est-à-dire qu'elle, elle est vipère. Le gars aussi, il est vipère. Voilà, parce que lui, il est marié. Lui, c'est un garçon. Est-ce que quelqu'un sort sa femme, lui va accepter? Lui, il s'en va sortir avec une femme qui est mariée. Vous savez que les hommes, là, ils ont fini à nous manipuler. Moi, au Dieu, là, je défends cette femme-là. Je ne cherche même pas ce qu'elle rentre en contact avec moi. L'homme qui a fait vidéo sur elle, là, il y a deux interviews. Mon interview aujourd'hui et mon interview demain. Après, je suis libre. Si les femmes veulent l'attaquer, l'attacher, ok, il n'y a pas parlé. Mais un garçon qui a se levé ciel, là. Il n'y a pas de femmes. Hein. Les femmes peuvent parler. Elles peuvent gronder. La dame, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est entre nous femmes. Ça ne nous rend pas fiers. Mais Makoso, quand tu viens te connaître, il faut parler du gars, là. C'est de lui qu'il faut parler. Oh, Seigneur, excusez-moi. Téléphone. Et adé, mamie. C'est de lui qu'il faut parler. Hein? Faut libérer la femme là. Faut libérer pour Fali. Si on a vu comment tu as fait. Tu as niam 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 pour déposer. Tu as bien fapouillassé. Celle, Niki ou bien comment elle s'appelle là. Tu l'as fapouillassé pour la déposer. Attends, c'est pas Fali. Lui, si c'est pas Fali, lui va être infidèle comme elle. L'homme. Les hommes là, ils ont un peu d'argent. Rien comment les femmes qui sont dans les femmes qui sortent et les stars là, elles souffrent. On les voit, on les envie. On dit que la femme d'une star, mais elles sont dans la souffrance. Elles sont dans la souffrance. Dans la souffrance. Je ne dis pas que ce que la dame a fait est bon. Devant Dieu, c'est pas bon. Mais elle n'est pas la seule. Si au moins elle avait trompé son mari avec un autre jeune. Mais lui-même, elle qui a trompé son mari, lui-même, il est marié. Donc lui, il a une femme qu'il ne respecte pas. En plus, encore lui, il est garçon, il s'en cherche une femme mariée de quelqu'un d'autre. Entre nous, femmes, on sait que c'est la sorcellerie. Peut-être que celle qu'elle a mariée là, celui qui l'a mariée là,
il n'est pas compétent au lit. Maintenant, lui qui est garçon, là, il sait qu'il y a son frère sang qui a marié une go. Lui-même, il a marié sa femme, mais si quelqu'un a couché sa femme, mais. Donc, quand tu vas venir parler, là, ma cause, il faut savoir parler, il faut même pas tu as t'acharner sur la dame là-dedans. Si tu t'acharnes sur Marie-Josée, clash que y a fait toi sur Internet là. C'est valable pour tous les hommes perdus là. Vous avez commencé à m'insulter depuis hier, il n'y a même pas vous calculer. Il y a dit vous placez votre téléphone, vous l'insultez, il sort sur vous. C'est ce qu'il s'est venu vous dire. C'est les deux choses là. Parce qu'on connaît, vous les femmes, même on a fini, vous avez fini infidélité. On connaît. Vous vous mariez ici, elle est blanche, vous envoyez les cousins dans la maison pour entendre sa voix chérie. On connaît ça. Faut pas en faire comme si on est trop bien. Hein? Elle a déconné, oui. Mais on a qu'à être un peu solidaire par rapport aux hommes qui nous font souffrir aussi. Les hommes, c'est des maudits. Tant que vous savez ça. Hein? Quand un garçon te fait du mal, garçon même peut faire que tu as sauté, tu as te tué. Quand c'est eux qu'on les fait petit, seulement la terre doit remuer. Si c'était un homme qui avait fait ça, là, ça n'allait pas prendre comme ces femmes-là. Regarde comme ils ont chargé l'affaire. Si c'était un garçon qui avait fait ça, là, ça n'est comme si c'est une femme. Regarde comme ils ont chargé l'affaire. L'histoire s'est passée hier seulement, ça a envahi la toile. Parce qu'ils sont toujours prêts à descendre les femmes. Elle a déconné. Elle ne nous rend pas fiers, je suis d'accord. Mais les garçons, les vos baisse que sur elle. Vous-même, vous n'êtes pas un exemple. Oui, vous êtes les plus maudits même. Si on rentre dans malédiction, là, c'est vous. Vous êtes trop bâtards. Aïe! La nouvelle, c'est que la mise à jour de l'infidélité, là, c'est vous qui avez ça. C'est vous qui activez la mise à jour d'infidélité, là. Vous activez ça, bâtards même. Donc, vous allez dire quoi ici? Celui qui n'a jamais péché, qui lance la pierre à cette dame. Elle a mal fait, Dieu va la juger pour ça. Elle va régler les femmes. Laissez-nous là. Les femmes qui vont me donner un conseil. Ok, je ne vais pas parler. Les femmes, il y a vu que Coach Amon a fait un statut. Je sais qu'elle va lui donner des conseils. Mais les garçons qui vont venir parler sur elle là. Je vous attends. Moi, Aya, je vous attends. C'était ces deux choses-là que je suis venue vous dire ce matin. Il m'en va faire mes courses. Et puis j'ai oublié. Quand je me suis réveillée, j'allais oublier mes biens pour le dire. Je me suis réveillée. J'ai dit que je vais boire du lait. Parce que quand j'ai vu ça, je dis je vais boire du lait. Donc moi je bois du lait pur. Donc vous voyez ma tasse là. J'ai pris la tasse là. J'ai quatre comme ça. Dès que j'ai renversé le lait là, dans la tasse. C'est tombé. Ça s'est cassé. J'ai jeté le reste. Hein. Mais j'ai pris les deux morceaux là pour vous montrer dans en direct pour ceux qui vont m'expliquer le rêve. Dès que j'ai renversé, pour c'est tombé, ça s'est cassé. C'était la suite. C'était pour vous montrer en fait. Il y a un garçon qui a m'insulté, mon frère. Quand tu gueules, tu parles trop, wesh. Quand on a Adam, il faut boire de l'eau. Il n'y a même pas te bloquer. Quand on a Adam, il faut boire de l'eau. Il ne va même pas te bloquer. Il a dit, tu peux m'insulter comme tu veux, mais vous faites direct sur la fille et sort sur vous. C'est ce qu'ils ont dit. Vous dit. Si elle parle trop, quitte mon direct. Si pas il est venu t'insulter matin, moi, il y a trop de problèmes même pour t'insulter. Là où je suis en train d'expliquer que le monsieur réveillait des trucs sur moi. Si ça attaque quoi. Si c'est, je sais pas. Arafat s'est retrouvé dans mon rêve comme ça, bouh. En train de me sauver à cause. Sauver. Peut-être que Charles a enlevé mes yeux. Les griffes de Charles se sont retrouvées sur moi en réalité. C'est-à-dire que si on m'expliquait, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Et quand ça t'arrive là. Si c'était quelqu'un qui était venu expliquer là, j'allais dire que la personne ment. Parce que moi, je ne crois jamais aux gens qui font rêve là. Ceux qui disent que j'ai rêvé, je ne les crois jamais. Je ne les ai jamais cru. Il a fallu que moi-même ça m'arrive. Puis je dis, hein, c'est que souvent quand les gens rêvent là, ils disent la vérité. Ceux qui viennent dire que j'ai rêvé là, je n'aime pas. Après la mort, qui vient dire que j'ai rêvé, oh. J'ai rêvé, oh. Il était une fois, oh. Il était. Les garçons ont commencé à m'insulter, non? Toi, tu viens sur mon direct, Bonnie, quoi, là? Tu me dis que moi, je suis qui? Toi-même, tu es qui? Papa, pardon, faut passer ton chemin. Ah.
Je n'ai jamais cru aux gens derrière. J'ai rêvé là. J'ai rêvé que... Attends, je n'ai jamais cru. Je vous jure que... Il tremblait comme ça. Quand il a vu ça, il a dit, aïe, il y a un truc dans le lit. Je renversais le matelas là. Il a dit, il y a l'âme dans le matelas là, il y a quoi? Renverser, nettoyer le drap là. Attends, drap, j'avais mis il y a 3 jours. J'ai mis mon drap il y a 3 jours. J'ai changé même. Les marabouts là ne venaient pas m'énerver matin là. Ne venaient pas m'énerver. J'étais dans mon direct. Donc la famille, c'était ça, je vais pas durer. Transférer ce message là à Makoso. Et puis j'ai besoin de des gens qui vont m'expliquer ce rêve là, ça signifie quoi. Mais sachez que je suis partie à l'église, donc j'ai pu la peur que j'avais pris quand j'ai vu est passée en fait. Est passée. Donc moi, une fois que je mets mes pieds à l'église et que je prie avec le cœur, j'ai plus peur en fait, parce que je me dis que la mort, ça peut me trouver n'importe où. En plus, j'arrive à l'église, mais il y a levé de quoi. Ils sont en train, moi, je viens prier. Ils sont en train de prier sur un mort. Donc, c'est pour dire qu'il y a des signes qui sont un peu bizarres, en fait. Attends, j'ai rêvé sur un mort. C'est trop bizarre. C'est bizarre, mais priez pour moi, non. Voilà, portez-moi en prière. Je sais que je m'occupe de la vie des gens. Je ne suis pas vrai. Je ne suis pas, je dis vrai. Autant pour moi. Je ne suis pas parfaite. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je critique, je dénigre souvent, oui, quand il faut, surtout quand je suis énervée. Mais ce n'est pas méchant, voilà, c'est mon côté sincère là qui m'emmène à faire ça. Sinon, je déteste personne, je vous ai toujours dit. Donc, la famille, vous pouvez, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, voilà. Mais je voulais quand même avoir quelques aperçus de ceux qui expliquent les rêves. Pour voir peut-être qu'il y a un truc, je sais pas moi. En même temps, dire que Marie-Josée, c'est vrai, tu as déconné, tu ne nous as pas rendu fiers. Ndri Marie-Josée, oui, ce que tu as fait, si c'est vraiment vrai, parce qu'on ne peut pas prendre la moitié d'un collard pour aller faire la dot. L'autre a donné sa version, on attend ta version aussi. Parce que dans quel coup, elle a donné sa version. Celle qui a le mari en question, mais toi, tu n'as pas encore parlé. Donc moi, je ne peux pas te juger pour le moment. Et même si c'était vrai, je vais te dire que tu as mal fait, mais je ne vais pas laisser les gens te vilipender. Même pas un homme. Les femmes peuvent t'insulter comme elles veulent. On est hypocrite entre nous, mais nous, on est fidèles. On trompe. C'est que tu sois ton... C'est qu'il y a plein de femmes même qui ont fini et ça. C'est que toi-même, tu as fait là, c'est petit dans leur affaire. C'est petit dans leur affaire. Mais elles vont venir te juger. Mais ça, ce n'est pas grave. Entre nous, femmes, on peut se critiquer. Ce n'est pas, grave. Mais garçon qui a venu ouvrir son youpli pour dire qu'il va te juger là, il va me croiser sur son chemin. Il y a quelqu'un qui dit que moi c'est ton côté impoli là qui m'énerve. Moi c'est pas impoli, hein. Je n'aime pas même ça, mais quand on dit qu'il y a impolitesse là, non, je suis pas impoli. Je me défends. Je ne suis pas impoli. Je n'aime pas. Il y a des gens qui ont l'air dit que tu es impoli sans fier. Moi je n'aime pas. Si tu me dis que je suis impoli, ça veut dire que mes parents ne m'ont pas éduqué en fait. Parce qu'il faut être mal élevé pour être impoli. Je ne suis pas impoli, je dis ce que je pense. Mais je ne suis pas impoli. Parce qu'au côté de tout ça, j'ai réussi quand même une bonne éducation. C'est la vie qui nous emmène à être autrement. Donc, mes chéris, les produits jus d'orange sont disponibles. Savon, les trucs sont des. Ça, c'est le boubou, c'est Chefatou Bako. Le boubou est disponible, Chefatou Bako. Regardez dans mon direct où j'étais en boubou jaune là. Elle a son numéro là-bas, j'ai mis ça en haut. Le direct où il a pleuré, on dirait qu'il était au funérailles. C'était papagnon là. Tu es vulgaire. Ne dis pas que les garçons sont des maudits, wesh. Mais les garçons sont les maudits. Je suis vulgaire. Toi, c'est ce qu'on appelle femme qui est vulgaire. Moi, je ne suis pas vulgaire. Je ne suis pas vulgaire. Hein. Je ne suis pas vulgaire. La vulgarité, pour vous, c'est quoi, en fait? Moi, je pense que la vulgarité, c'est quand tu te... C'est dans deux sens. Ça sort dans la parole aussi. Quand tu dis des gros, gros mots, mais des gros mots, franchement, dégueulasses. Ou quand tu t'exhibes, c'est-à-dire que tu te dénudes.
Pour moi, ça, c'est de la vulgarité. Mais là, je ne suis pas nue. Je ne suis pas en train de dire des gros mots. Les hommes sont des maudits. Ça, c'est un truc qu'on se on dit. Tu es un maudit. Tu es tentant. C'est des choses qu'on se dit entre nous. Ce n'est pas méchant. Toi, tu es un maudit. Toi, tu es un maudit. Hein. Ce n'est pas vulgaire, ça. Ça, c'est l'injure publique des Ivoiriens, en fait. C'est hymne national. Non, l'hymne national des Ivoiriens, un peu. Donc, ça, quand il dit que les hommes sont des maudits, c'est pas mauvais. Je ne vous ai pas encore insulté. Quand il y a bien vous insulter, tu n'as même pas parlé de ma vulgarité, en fait. Là, tu me vois dans un boubou. Je ne suis pas dénudée. Tu viens me parler de vulgarité. Moi, j'en vous dis, moi, j'ai été à l'école loin. Je suis arrivée très loin. C'est souvent quand, avec le stress, c'est pas facile quand tu poses le téléphone. Souvent, tu sors, tu veux. Il essaie d'aller à l'école, puis il est traîné dans la rue, il est nouchi. Donc, ça a fondu mon français. Tellement je veux m'exprimer par moment, je sors des français qui ne sont pas cohérents. Ou bien peut-être. Et j'ai appris à tout temps écrire en abrégeant. C'est ce qui me fatigue un peu. Parce que comment je écris, j'abrège toujours. Ça fait que je ne fais pas une bonne phrase. Voilà. Sinon, je sais écrire. Mais j'aime abréger, en fait. Et ça, c'est depuis longtemps, j'abrège. Donc, c'est resté sur moi. Donc, à force d'abréger, je n'articule pas bien dans mes écrits. Voilà. Sinon, français, vous voulez qu'on parle. Je comprends aussi, puis je suis assise là. Je ne suis pas soude. À un moment, on peut faire le tout pour jouer là, pour amuser la galerie. Mais c'est vous-même qui n'avez pas reçu l'éducation. Parce que si tu penses que moi, je suis impoli, viens, tu me parles poliment. Faut m'emmener à être poli. Tu ne viens pas m'insulter. Là, tu ne me montres rien là. Ça veut dire que tu viens me montrer que toi-même, tu es 10 fois plus impoli que moi. Parce que tu viens trouver une personne qui est impolie, qui est en train de peut-être mal parler, mais tu ramènes la personne à la raison, vu que ce n'est pas à toi que je m'adresse. Même si tu es un homme, mais je m'adresse pas à toi personnellement. Mais bon, je conçois le fait que tu sois un homme, tu te sens concerné. Donc, viens me dire, non, parle pas comme ça, ça ne va rien t'enlever. Là, tu vas me prouver ta bonne éducation, ta politesse. Mais quand tu viens, tu m'insultes. Mais toi, depuis, tu me dis que tu entends de m'insulter pendant que je ne t'ai pas encore insulté, toi. Et tu me dis que je suis impoli. Hôpital Charité. Wesh. Hôpital Charité. Tout ça là, c'est Facebook. Bon, mes chéris Coco, prenez soin de vous. Je vous ai dit, j'aime bien vos nouveaux comportements de jour là. Hein. Vous aimez le direct, j'aime ça. Même si si les commentaires ne montent pas, mais likez. Quand vous venez sur mes lives, voilà le seul service que je vous demande. Même si vous allez partager après, parce que par moments, je vous comprends, vous bloque dans les groupes. Mais quand vous venez sur le live, likez d'abord le live. C'est ce que je vous demande. Au moins, les likes, ça protège la page. Donc, aimez. Avant de venir mettre les cœurs. Les cœurs que vous mettez comme ça, ça compte dans le direct. Mais ça compte pas après le direct. Donc, il y a un like qu'on pose sur le direct avant de rentrer dans le direct pour mettre les cœurs. Les cœurs, ça protège pendant que je suis en direct. Mais après le direct, pour protéger ma page, il faut que vous likez. Donc, je vois que maintenant, vous me donnez des likes. C'est super, je vous en remercie. Je vois que je commence à vous plaire. Et ça me fait plaisir. Que Dieu soit avec vous. Bon Djouma, non bien Djouma, on dit à tous les musulmans. Aujourd'hui, c'est votre jour de la mosquée, non? On est vendredi, là. Bonne prière à vous. Bon jeûne à vous. Et puis, agréable début de week-end. Soyez prudents. Restez tranquille. Mangez bien. Priez bien. Pour la Côte d'Ivoire, surtout. Et pour l'Afrique. L'Europe, ils sont déjà riches. Priez pour l'Afrique. On a besoin de beaucoup de prières. Alors, on se prend ce soir sur le live de Chanel T. Chanel T, voilà, elle me prend aujourd'hui sur son live. Donc, j'espère vous voir nombreux. J'espère vraiment que vous allez me retrouver. Vous allez venir, tous mes attaquants là. J'espère que vous allez partager. J'espère que sur ce direct, on aura au moins 5 000 j'aime.
Et puis peut-être plus de 2000 partages. J'espère aussi qu'on aura plein de commentaires positifs. Je ne sais pas comment elle gère son émission, mais je pense qu'elle va, elle va expliquer quand elle va me prendre en cam. Elle va expliquer comment l'émission, mais je pense qu'il y aura beaucoup de gages. Il y aura beaucoup de questions. Il y a des questions qu'elle va me poser. Il y aura aussi des gages. Il y aura aussi des... genre un truc à action ou vérité, un truc comme ça, voilà. Moi, quelqu'un met en même le numéro de mes produits. Toi, tu viens mettre tête des morts. Après, tu as dit que je ne travaille pas. Mais où tu es venu mettre tête des morts, là, ma chérie? C'est là qui me donne à manger. Tu viens mettre tête des morts sur le numéro de mes produits. Ah! Vous êtes possédé sur Internet, hein? Vous n'aimez pas la paix. La bise. On se prend, on se dit à ce soir. Et puis, j'attends vos appels ou laissez-moi un message. Si je ne vous réponds pas, laissez-moi un message pour m'expliquer. Je prendrai le temps, franchement, de lire tous les messages concernant les rêves. Bisous. T'as vu? Ça bug. Je vais couper, ça bug. Oui.